les rendez-vous chercheurs. Alors la rencontre humaine avec vous, public, n'est pas encore tout à fait possible. On espère pouvoir ouvrir et vous proposer nos programmes du type l'expérimentarium et la nuit des chercheurs en novembre. Et en attendant, comme on l'a déjà fait, eh bien on vous propose tout de même de découvrir des chercheurs. Alors pas forcément la recherche qui fait la une des journaux, mais la recherche du quotidien, celles et ceux qui font la recherche au jour le jour, et notamment des jeunes chercheurs. Donc aujourd'hui, on va passer 40 minutes avec une jeune chercheuse. On va être dans l'échange et puis vous pourrez poser vos questions, réagir via le chat. Alors vous voyez déjà 4 personnes à l'écran, vous voyez une surprise, nous sommes en studio, ça y est, c'est le déconfinement. Donc on est en studio de l'université, j'en parlerai. On est avec Coralie Biguzi qui est là, qui va gérer le chat, qui va faire la modération. Et puis donc si vous avez des questions, elles arriveront à Coralie et puis Coralie interviendra comme au bon vieux temps du standard et puis on pourra donc interagir et puis on aura toujours parsemé on va parsemer notre émission de jolis dessins joyeux de Thibaut Roy qui voilà qui sa plume va vibrer et vous allez voir ça va être quelque chose parce qu'il nous a déjà fait quelques petits programmes, quelques petits dessins qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Alors à la réalisation. Derrière l'image, on a Robin, comme toujours, de la mission Culture Scientifique. Et puis, on a aussi toute l'équipe de ce qu'on appelait avant la passerelle, mais du service pédagogie numérique et ressources de l'Université de Bourgogne. Donc, merci à Pauline Mouret, Élodie Perret, François Salisson et Éric Paul, sans qui cette réalisation n'aurait pu être possible. Alors, donc, je rappelle, vous pouvez intervenir dans le chat, il y a à peu près 20 secondes. Et puis, la personne principale de notre émission sur les feux des projecteurs, c'est Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Lionel. Voilà, tu vas passer au grill. Enfin, on n'est pas encore habitué vraiment au studio, mais voilà, on s'y fait pendant 40 minutes. Alors, en plus, je vais te présenter d'une façon assez étonnante. Et oui, chers auditeurs, nous sommes témoins d'un drame de la vie. Qu'est-ce qui a pu arriver à une jeune femme brillante, engagée, sociable, ayant fait les plus grandes études, qu'a-t-il pu lui arriver pour que nous la retrouvions à dépecer jour après jour près de 5000 caca de souris à la pincette telle Cosette au fond de son labo. Alors, plus sérieusement, ce qui lui est arrivé à notre chercheuse, c'est le vertige de la recherche, l'envie de savoir, d'avoir des résultats d'expérience dont on vous parlera. Sarah Moreira, tu vois, je n'ai pas flouté ton nom, est jeune chercheuse au Centre de Recherche Lipides Nutrition Cancer de l'INSERM dans l'équipe Nutrition et Toxicologie à Agrosup Dijon, donc Université de Bourgogne, Franche-Comté. J'ai une première question piège. Donc, quel sera le titre de ta thèse? C'est vrai, c'est pas trop dur aussi, okay. On vit avec. Donc le titre de ma thèse, c'est d'étudier le rôle du CD36 entérocytaire dans la mise en place de l'obésité et de l'inflammation bas bruit induite par une surconsommation de lipides. D'accord, un lipide, c'est le gras, obésité, oui. On en parlera peut-être un petit peu à la fin, et le mot mystère, le code mystère, c'est CD36. On en reparlera, on commence un petit peu comme d'habitude par plutôt du personnel. Alors, on ne va pas faire très long, mais on m'a dit qu'un de tes profs de techno t'avait dit « Vu que tu aimes bien te poser des questions dont on n'a pas la réponse, tu pourrais devenir chercheuse. » Ça, tu t'en souviens? Tu avais quel âge? Oui, c'est ça. J'étais en sixième, je crois. Donc, il m'a dit ça. Ouais, je ne sais plus exactement dans quel contexte, mais on parlait des métiers qu'on pouvait faire. Et c'est lui qui m'a un peu mis la puce à l'oreille sur ce métier qui est le métier de chercheur, que je connaissais pas du tout à l'époque. D'accord. Et donc depuis ce jour-là, je me suis dit, pourquoi pas ce métier-là, allez, et voyons ce que ça donne. Et l'histoire des questions dont on n'a pas encore la réponse, oui. C'est un peu ça la recherche, c'est essayer de trouver des questions.
essayer de trouver des réponses, puis de trouver des questions et de fil en aiguille. Ouais. Oui, il faut des questions, on n'a pas encore la réponse, parce que sinon, on n'est pas dans l'inconnu. Donc ça t'a poursuivi, motivé. On nous a raconté, et ça on le racontera même, parce qu'on fait des petits films sur les chercheurs dans un autre petit film, que malgré une mononucléose qui t'a bien essuyée, bon, je sais, j'ai connu ça aussi, ça t'a fait louper une voie recherchée de la recherche qui est normale sup. Donc tu t'es décalé un peu de la recherche, mais tu y es revenu, ça t'a toujours un petit peu trotté dans la tête. Trotté dans la tête, et tu arrives à Dijon, parce que tu n'étais pas de Dijon. Non, j'étais pas de Dijon, j'ai grandi plutôt à Paris, puis j'ai fait mes études plutôt à Rennes. D'accord. Et je suis arrivée à Dijon spécifiquement pour ce sujet de thèse. Alors, il y a 2,5 ans, 2 ans et demi, à AgroSup, dans une équipe qui s'intéresse à la perception du gras. C'est ça. C'est une équipe qui travaille en fait sur le fameux CD36 et qui essaye de comprendre à quoi sert ce CD36 et notamment à quoi il sert dans la détection du gras. Donc ça peut être soit au niveau de la langue, soit, moi, ce qui est mon sujet, au niveau de l'intestin. Alors, on fait un petit clin d'œil à des anciens de l'expérimentarium. Il y avait Danny Gaillard qui maintenant est à Denver, parce que les chercheurs, les cerveaux fuient, ils s'en vont. Et donc, qui faisait l'expérimentarium et qui travaillait sur la détection du gras sur la langue avec ce fameux énigmatique pour le moment. CD36, d'ailleurs, on parlait même d'un sixième goût, le goût du gras. Mais toi, c'est plutôt dans l'intestin, le goût, c'est plutôt le goût de l'intestin. Tu as été recruté pour comprendre à quoi sert cette protéine dans l'intestin. Qu'est-ce qu'on savait à peu près à l'époque? Donc, c'était pas il y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans et demi. Ouais, moi j'ai commencé il y a pas longtemps, mais en fait depuis on va dire la fin des années 90, le début des années 2000, on a découvert que cette protéine était présente dans l'intestin. Et donc les premières hypothèses, c'était que c'était le CD36 qui faisait passer le gras de notre alimentation de l'intérieur du tube qui est l'intestin vers le sang. D'accord. Pour qu'on puisse ce qu'on appelle absorber le gras en fait et puis après l'utiliser dans notre corps. Est-ce que c'est important ça, le gras dans notre... Parce que bon, on nous dit qu'il ne faut pas manger trop gras, mais il faut quand même peut-être un peu manger. Si on ne mange pas du tout gras, qu'est-ce que... Oui, le gras, c'est absolument essentiel. Il y a même ce qu'on appelle des acides gras qui sont essentiels, voire indispensables. Ouais. Il faut absolument que ça vienne de notre alimentation. Parce que le gras, ça sert à plusieurs choses. Ça sert par exemple à nous donner de l'énergie. Et ça sert aussi à... C'est son rôle de structure, c'est-à-dire que en fait toutes les membranes de toutes nos cellules sont faites de gras, donc voilà, tous nos organes, toutes les cellules de notre corps sont faites avec une petite pellicule de gras en fait tout autour, ce qu'on appelle la membrane, et donc tout ça c'est constitué de gras, donc c'est très important de manger du gras et d'en avoir suffisamment. Ouais. Alors on verra qu'il faut pas forcément trop en manger, mais qu'il en faut un peu, et donc ça se joue à un endroit clé dans l'intestin. On verra qu'il peut y avoir aussi un enjeu auprès de personnes dont on sait que ce CD36, alors on va revenir à ce CD36, est défectueux et qu'il y a un lien avec l'obésité. Mais toi, ton objectif, c'est pas de faire des médicaments pour l'obésité, etc. C'est de vérifier que ce CD36 fait passer le gras à travers la paroi de l'intestin, parce que du coup l'intestin c'est un tube, mais c'est un tube intelligemment poreux, c'est ça? Oui, c'est ça. L'intestin c'est un très long tube, chez l'homme il peut faire jusqu'à 10 mètres, donc c'est vraiment très long. Ouais. On le représente souvent comme un tube, mais en fait c'est un tube qui est intelligent, comme tu dis, intelligemment poreux, c'est-à-dire que c'est lui qui va d'une part nous protéger des éventuelles toxines ou des microbes qui voudraient infecter notre organisme, mais c'est aussi lui qui va filtrer, qui va trier, qui va réguler ce qu'on appelle l'absorption. Donc en fait, c'est le passage de tous les nutriments, comme le sucre, mais aussi les lipides, de nos aliments vers notre sang. D'accord. Donc, pour qu'ils vont nous servir à plein de choses. Et puis le reste, ça va dans le caca. Et puis le reste, exactement, on en arrive à ce terme. D'accord. On verra ça. On verra qu'il faut regarder ce qu'il y a à la sortie. Mmh. Et puis, je vais peut-être pas trop faire de gestes, parce que on va se faire sentir. Et ce qu'il y a à l'intérieur, si on veut comprendre. Donc, on a vu une petite image pour voir... Donc, pour rappeler où se trouve l'intestin, on y va pas à pas. Et on va avoir un petit zoom. Voilà, donc on pourra peut-être même le mettre en plus gros. Voilà, merci Robin. On a donc, on devine l'intérieur de l'intestin. Les carrés jaunes, ce sont les lipides, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui est schématisé. Les petits carrés jaunes, donc c'est les lipides schématisés. Et puis, j'ai schématisé en bleu ces petits éléments bleus là qu'on voit qui sont en fait présents tout le long de l'intestin. C'est ce fameux CD36. Donc moi, c'est tout. C'est pour ça que j'ai été embauchée. Si on veut, c'est vraiment mon rôle, c'est d'essayer de comprendre à quoi sert cet élément-là.
Donc, tu me posais la question tout à l'heure de ce qu'on savait quand je suis arrivée au laboratoire. Un des trucs qu'on savait, c'est qu'il a comme ça une forme un petit peu de pince, ou voilà, il forme une petite poche qui permet en fait de fixer les lipides, donc le gras qui arrive de notre alimentation. Donc ça, c'était une première information. Donc forcément, ça veut dire qu'il interagit avec le gras. Et puis, l'autre chose qu'on sait, c'est que en fait, il est présent le long de notre intestin, mais il disparaît assez vite en fait au cours du repas. C'est-à-dire qu'on le voit dans les premières heures après le repas, mais qu'après, il disparaît. Donc, du coup, toutes ces infos-là ont permis de faire un peu des petites hypothèses sur le rôle qu'il pouvait avoir dans l'absorption des lipides. Je vois un petit dessin très sympa. On devine déjà qu'il va y avoir un intestin vu par, Thibaut Roy. Alors, on te demande, du coup, tu as dit, ça, on devine que ça interagit avec cette forme de crochet. Et il a quelle taille d'ailleurs, cette forme? C'est vraiment tout petit. C'est tout petit, ouais, donc on suppose qu'il y en a des milliers. Exactement. Et donc ça, des millions, et ça dit juste que c'est pas facile à voir. Quoi. Oui, voilà, c'est pas facile. On va pas juste mettre une caméra puis dire, ah, ta thèse est résolue. donc, on a l'objectif, savoir est-ce que CD36, eh bien, il permet bien de faire passer, je ne sais pas si on peut dire comme ça, le gras dans cette barrière importante, le début d'une grande histoire dans le corps, faire passer ces lipides. On va s'immerger un peu dans le labo pour savoir comment toi tu as fait pour savoir si ce CD36 avait bien ce rôle de faire passer, puis s'il n'avait pas d'autre rôle de détection, d'organisation. On va avoir des réponses, ça va être un peu plus fin. Donc là, on est dans ton labo. On va démarrer aussi une petite vidéo qui nous donnera des indices sur comment tu as fait pour savoir ce que fait ce CD36. Et comme ça, on peut comparer ce qui se passe quand il y a du CD36, ce qui se passe quand il n'y en a pas. Et ça nous permet comme ça d'appréhender en fait le rôle qu'a cet élément. La première chose que je fais, c'est de leur donner à manger. Donc de contrôler en fait exactement ce qu'elles mangent. Donc pour ça, j'ai une recette spéciale d'une nourriture que je leur donne pour vraiment m'assurer de contrôler ce qu'elles mangent, et notamment qu'est-ce qu'elles mangent en gras, en termes de gras, quel gras elles mangent, en quelle quantité. Et puis après ça, on va suivre en fait toute l'évolution de la vie de la souris un petit peu. En fait, on va étudier les grands paramètres de sa santé, donc bien sûr le suivi de poids pour savoir si elle devient plus ou moins obèse. Et puis après, on peut avoir accès à des données un petit peu plus précises en faisant par exemple des prises de sang. Et très vite, vous avez vu à la fin, il y a une petite pub sur l'expérimentarium. Vous allez dire, je ne peux pas m'empêcher, mais on va... Oui, parce que je ne sais pas si je me suis présenté. Donc moi, je m'occupe historiquement de l'expérimentarium. Maintenant, c'est plutôt Coralie, la responsable en Bourgogne. Donc moi, je m'occupe du réseau. Et donc, voilà, là, je suis animateur télé. Donc je ne dois pas faire trop de digressions. Merci, pas trop de digressions. Thibaut, les tuyaux t'inspirent. Oui, bonjour. Tout à fait, oui. Les tuyaux, mais pas que. Pas que les tuyaux. J'ai fait d'autres dessins. J'ai fait... les caca m'inspirent globalement. Voilà, la contribution à la science du rat de laboratoire, hein, évidemment. Et puis, j'avais sorti pour Rudy une émission... une référence à Kaamelott, en voilà une autre. Donc, le gras, c'est la vie, avec le personnage de Kaamelott, de Caradoc, qui mange tout le temps. Voilà. Voilà, et il va falloir presque plus de références pour comprendre que de références scientifiques. Donc, on en était à... Moi, je revois le premier dessin de ce tuyau. Et puis, vous avez un indice dans ce extrait de film, donc réalisé par quatre étudiants de l'Université de Bourgogne. Donc, pour avoir les références, ce film sur Sarah se trouve sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes là. Donc, vous pouvez, après l'émission, bien évidemment, zapper pour retrouver sur cette chaîne des films sur les jeunes chercheurs qui participent à l'expérimentarium, donc pour les connaître un peu plus. Donc, on revient à toi, Sarah, et dans ce petit film, on a laissé, justement, on a coupé un petit peu le son. Et tu as commencé à nous dire que tu faisais une expérience avec ou sans CD36, et ça, c'est sur des souris. Donc, tu fais des expériences sur des souris, oui, pour essayer de comprendre si ce CD36, qui se trouve aussi chez les souris, c'est une protéine, oui, qui se trouve aussi chez les souris, eh bien, pour essayer de savoir quel rôle il a. Oui, c'est ça. On essaie de savoir à quoi il sert. Donc, comme souvent en science, quand on veut savoir à quoi sert quelque chose, on compare deux situations. Une situation dans laquelle on a ce quelque chose, qui, ouais, dans mon cas, est le CD36, ouais, et puis une situation dans laquelle il n'y a pas ce quelque chose. Donc, en fait, on a deux types de souris. Des souris qui sont normales,
donc qui ont le CD36 dans leur intestin et des souris qui ne sont pas normales et qui n'ont pas le CD36 dans leur intestin. D'accord. Donc on arrive à avoir des souris, à faire fabriquer, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ouais, des souris qui n'ont qu'une différence, qu'on fait varier qu'un paramètre. Ça, c'est des progrès de la génétique. C'est les progrès de la génétique, ouais. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, évidemment. C'est très difficile à mettre au point, mais parfois ça marche. Donc dans ce cas-là, ça a marché. Donc on a effectivement deux types de souris qu'on peut étudier en parallèle. Et puis à chaque fois, on va comparer les différences entre ces deux groupes et on va pouvoir en tirer des conclusions. Alors, tu vas leur faire manger du gras. Et si CD36 sert à absorber, ça veut dire le gras, ça veut dire que on y arrive à la fin, à la sortie, dans le caca des souris, et bien on devrait trouver moins de gras dans les souris normales avec CD36 que dans les souris qui n'ont plus CD36. Le gras devrait partir dans le caca, pas être absorbé. C'est ça. Alors, du coup, on va... Donc ça veut dire que tu as... Qu'est-ce que tu as fait comme expérience scientifique? Montre-nous, rentrons dans le sujet. Une des expériences les plus simples, c'est ça, c'est de donner à manger aux souris. Donc on contrôle exactement ce qu'elles mangent. Donc pour ça, c'est moi-même en fait qui fabrique le régime, donc leur nourriture. D'accord. Donc on utilise en fait cuisine, une... Ouais, il y a le côté cuisine, ouais, c'est vraiment un peu système D. On va voir Maïté bientôt. Où en fait, on a des croquettes... broyées, donc sous forme de petites poudres, dans lesquelles il n'y a pas du tout de gras, et c'est moi-même qui vais rajouter de l'huile, en fait. Donc comme ça, je peux choisir quelle huile je rajoute et en quelle quantité. D'accord. Donc ça permet vraiment de contrôler ce qu'elles mangent exactement. Donc je et donne ensuite à manger aux souris. Bien... Voilà. Et ensuite, je vais peser, donc je ne peux pas les obliger à manger ce que je veux, mais par contre, je peux peser exactement ce qu'elles mangent, pour être bien sûr qu'elles mangent toutes la même quantité, et pour pouvoir en tout cas identifier les souris qui mangent beaucoup plus ou beaucoup moins, si jamais il y en a. D'accord. Donc ça, c'est la première chose qui demande quand même du boulot. Tout on ça, standardise, voilà. C'est ça. Et puis du coup, on contrôle ce qu'il y a en entrée. Donc effectivement, la fin de l'expérience, c'est contrôler ce qu'il y a en sortie. Voilà. C'est pas de la cuisine donc, avec une cuisson, c'est on met du... ouais. à manger dans du vivant et on récupère. Donc l'hypothèse, c'est que le CD36, ce serait lui qui pourrait faire passer le gras en fait de l'intérieur du tube intestinal vers le sang. Donc ça voudrait dire, comme tu l'as très bien dit, que les souris qui n'ont pas le CD36, du coup, n'arriveraient pas à absorber le gras. Donc ça veut dire que si on leur donne à manger et qu'elles ne l'absorbent pas, on le retrouve à la sortie. Ouais. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on a des souris qui sont hébergées dans des cages, dans de la sûre comme ça, comme de la sûre, je sais pas, des cages à lapins, s'il y en a chez eux qui ont des animaux de compagnie. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser à la main les cacas, parce qu'on n'a pas de machine qui le fait à notre place. Ouais. Donc ça, c'est la première grosse expérience. Et je vous ai ramené quand même une petite pince. Je ne le fais pas avec les mains, parce que c'est difficile à attraper. Mais voilà, je le fais avec une espèce de petite pince dédiée. Hein. Et je vais ramasser des petits cacas comme ça. Ouais. Donc comme vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et ensuite, on va les mettre dans un tube comme ça. Et on va remplir à peu près l'équivalent de ce tube de caca pour chaque souris. Donc on va ce qu'on appelle traiter chaque souris individuellement pour pas mélanger leur caca. Donc on va vraiment prendre les cacas de chaque souris faut bien noter, individuellement. Etc. Voilà, on note bien sur le tube de quelle souris il s'agit. Et ensuite, c'est ça qu'on va aller étudier. Ok. Et alors, tu as fait ça au final pour cette expérience, donc pour essayer de savoir si CD36 absorbait, si on retrouve du caca ou non, du gras ou non dans le caca. Tu l'as fait sur combien de souris? Ça, je l'ai fait sur une quarantaine de souris, deux ou trois fois. Ah oui, donc ça fait quarantaine de souris trois fois, oui, donc ça fait pas mal de... Et à chaque fois, les deux cas, ouais, le cas avec CD36, le cas sans CD36. C'est ça. Comment on fait au final quand on a ces cacas-là pour savoir lequel est le plus gras ou pas? Qu'est-ce qu'on les lance sur la table pour voir si ça glisse? Donc ça, alors en termes scientifiques, on appelle ça les fesses. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même un petit peu plus noble. Je ferai attention. Mais ouais, voilà, c'est ça. En fait, on prend ces cacas et dans certains cas, ça pourrait suffire de les regarder à l'œil nu. Mais là, dans notre cas, ça suffit pas. Il faut des données chiffrées qui soient exploitables scientifiquement. Donc la première étape, c'est de les broyer en une petite poudre. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait à la main. Donc heureusement, je ne suis pas toute seule. J'ai des collègues qui m'aident quand même pour faire ça. Donc on broie les cacas et ensuite, une fois qu'on a cette petite poudre, on va pouvoir diluer cette poudre dans un réactif spécial, un liquide spécial, qui va pouvoir changer de couleur en fait en fonction de la quantité de gras qu'il y a dedans. D'accord. Et donc on va tout simplement mesurer l'intensité de la couleur du liquide. Plus le liquide est coloré et plus il y a de gras dans l'échantillon.
Là, il y a des machines qui mesurent l'intensité de Ouais, la c'est couleur. ça. Vous ne vous retrouvez pas à dire, oh, c'est un Non, pourpre voilà. plutôt. C'est vraiment D'accord. des machines qui mesurent ce qu'on appelle l'absorbance, en fait, tout simplement. D'accord. Et donc, par rapport à cette question, parce que là, bon, les auditeurs, enfin, les téléspectateurs pourraient se dire, bon, c'est ça, la C'est ça. recherche, etc. Mais même Michel-Ange, hein, il avait à porter des cailloux pour faire des œuvres d'art. Hein. On passe par des trucs, Oui, voilà, c'est pour ça. mettre les mains dans le cambouis ou dans les fesses. Enfin, vous mettez pas les mains, parce qu'il ne faut pas mettre le gras de Ouais, non, donc on prend vos des mains. pinces Donc, et puis on tout a est très aussi contrôlé des pour en gants. arriver à des résultats. Et donc, au final, Et donc. alors, est-ce que finalement on voit une différence d'absorption du gras via cette sortie qu'est la Donc, ouais, après fessesse? tout ce travail, on mesure donc la quantité de gras chez les souris qui ont et les souris qui n'ont pas le CD36 et on n'obtient absolument aucune différence. Là, Voilà, donc. Sarah l'a dit comme ça, mais normalement, Maintenant, j'ai fait le il n'y a pas deuil de des cette. effets. Là, les services pédagogie numérique, aucune différence, donc ça Ouais, marche aucune pas. différence. Donc, c'est quand même beaucoup de temps à passer. Et pas que moi, comme je l'ai dit, on était plusieurs à travailler dessus, mais aucune différence. Un peu le coup dur parce qu'on a passé du temps, que c'est quand même Ouais. pas très valorisant comme Bah, travail. Et puis c'est surtout ta qu'on thèse, espère quoi. que, Donc, voilà, ouais, faut que tu on espère trouves. que le CD36 a un rôle à jouer. Et le premier résultat, c'est qu'on trouve qu'il n'y a pas de différence. Donc, là, comment on rebondit face à ça? Au début, un peu difficile. Le premier réflexe, ça serait de se dire, bon, bah, s'il n'y a pas de différence, ça veut dire que le CD36, il sert peut-être à rien, on s'est peut-être trompé, l'hypothèse est peut-être mauvaise. En tout cas, ça dit que si on aurait pu croire que CD36 était le truc, la protéine qui faisait absorber, ben pas forcément, Voilà. puisque c'est quand même absorbé quand il n'y a C'est ça. pas. Donc Donc, en ça peut fait, déjà dire ça. c'est un résultat qui est finalement très fort. Ça montre clairement que les animaux sans le CD36 arrivent finalement très bien à absorber le gras. Elles ne se retrouvent pas avec du gras dans leur caca, donc c'est qu'elles arrivent très bien à l'absorber. Donc le CD36 ne sert pas à ça. Donc ça veut dire qu'il faut formuler après d'autres hypothèses pour rebondir et se demander ben, à quoi il peut servir quand Et même. là, on s'encourage. Qu'est-ce qu'on fait? Ou on a ça dans. C'est vrai que on parle pas souvent de ça. Hein. Enfin, finalement, des ce qu'on pourrait appeler des moments d'échec et tout. Mais est-ce que ça serait pas une des caractéristiques des chercheurs finalement de se dire, bah tiens, allez, on parce qu'on pourrait dire on laisse tomber et puis Oui, on passe à autre chose. CD37. Je sais pas si ça marche comme ça. Donc, Ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la biblio, beaucoup. ouais. C'est-à-dire qu'on va voir si d'autres chercheurs ont trouvé des choses similaires, des choses qui ressemblent, qui peuvent nous donner des pistes. Et là, avec le CD36, il y avait quand même beaucoup de données déjà. Indirectement, pas directement sur l'intestin, mais voilà, on avait des pistes. Donc, notamment, comme on a remontré sur l'image, le CD36 qui fait comme ça, cette forme de pince qui attrape le gras, on se dit quand même, bon, il attrape le gras, il a quand même certainement un rôle à jouer là-dedans. Donc Et vous puis l'autre aviez quand chose. même fait d'autres mesures, enfin vous aviez des idées pour Donc on regarder avait plus quand même, précisément. des idées plus précisément. Et notamment, l'autre chose, c'est qu'on sait qu'il disparaît très vite le CD36 après le repas. Il disparaît au bout d'une heure. Donc ça veut dire que s'il sert à quelque chose, c'est vraiment au Ah, il agit début. vite, ouais, d'accord. Il Ça, agit c'était une vite. hypothèse. Ouais. Donc du coup, là, sur cette première expérience avec les caca, on regarde quelque chose de très global, très général sur 24 heures. Effectivement, sur 24 heures, il n'y a pas de différence. Mais ça ne veut pas dire que si on ne regarde pas plus précisément, par exemple juste après le repas, on ne pourrait pas voir quelque chose. Alors, plus précisément, juste après et au plus près de ce tuyau intelligemment poreux, là où ça se passe, c'est pour amener dans le sang, donc vous allez regarder le sang. Voilà, c'est ça. Comme on le voit aussi sur l'image, en fait, juste à côté de l'intestin, il y a plein de vaisseaux sanguins. Et en fait, bon, ça c'est un peu un raccourci. En vérité, l'intestin, pour les lipides, il va pas les donner directement dans le sang, il va les donner d'abord dans la lymphe. Mais retenons l'idée générale que ça rentre dans ce qu'on appelle le milieu intérieur. En gros, ça va finir par rentrer dans le sang. Et donc, ce qu'on s'est posé comme question, c'est est-ce que, avec ou sans CD36, finalement, juste après le repas, est-ce qu'on trouve des choses un petit peu différentes dans le sang? Et comme ce qui nous intéresse, c'est les lipides, on est allé mesurer les lipides dans le sang juste après le repas. D'accord, donc vous avez fait des prises de sang 2 heures après le Ouais. repas, Donc c'est plus ça. tard. Donc en fait, déjà, la première chose, c'est pouvoir les faire manger toutes en même temps, les souris, parce que Ah quand oui, elles sont dans leur d'accord. cage comme ça, elles mangent comme elles veulent. Donc c'est leur enlever la nourriture et puis leur redonner à un moment clé pour qu'elles commencent toutes à manger en même temps. Et puis après, on chronomètre et 2 heures après, on va faire une prise de sang. Et on a refait 4 heures après aussi la prise de sang. Et puis ensuite, on a mesuré dans le sang si oui ou non il y avait du gras. Et comment on fait pour mesurer s'il y a du gras dans le sang? On utilise les mêmes choses que. Et ben, en fait, c'est la même chose que pour les cacas finalement. C'est toujours le même test colorimétrique. Donc, on va mélanger le plasma en fait. Donc, on enlève les globules rouges du sang, on se retrouve avec du plasma. Et puis, ça, on va le mélanger avec des réactifs qui changent de couleur en fonction de la quantité de gras.
Et là encore, on va mesurer l'absorbance et plus le gras, est... enfin plus, oui, plus il y a de gras dans l'échantillon et plus la couleur va être intense. Alors, on va, tu vas nous parler de ces résultats sur les couleurs, puis après on précisera parce qu'il y a aussi une petite histoire de petits paquets, ouais. Je crois, dont on va, on entre petit exact. À petit dans les précisions. On va regarder s'il n'y a pas des questions. Hein. Coralie, n'hésite pas à nous interrompre et puis n'hésitez pas aussi. Hein. Donc on regarde dans le sang à la sortie du tuyau là pour voir, on va dire simplement voir si c'est bien passé. Qu'est-ce qui se passe à 2 heures et à 4 heures toujours avec ces deux échantillons, les ouais. souris avec CD36 et les souris sans CD36. Sans CD36. Et on va comparer les deux. Voilà. C'est ça. Donc on compare à 4 heures et à 2 heures. J'espère que tu vas pas arriver à rien du tout. encore une fois. Pas de résultats. Non, cette fois-ci, on avait des résultats qui étaient quand même pas mirobolants. Hein. Pas une très très grosse différence, mais quelque chose de un petit peu léger, comme un petit décalage. Ouais. On remarque quand on mesure comme ça la quantité de lipides du coup dans le sang, on voyait que celles qui n'avaient pas le CD36, on avait l'impression que le gras arrivait un petit peu plus tard dans le sang. En D'accord. fait, voilà, à 2 ouais. heures, chez les souris normales, on avait déjà pas mal de gras. Ah oui, puis d'accord. ça redescendait à 4 heures, alors que chez les souris sans CD36, il y en avait un petit peu moins. Mais c'était une différence qui était quand même très très légère. Donc c'est là, tu te dis quand même, si tu vois quand même voir poindre une petite différence comme ça, tu es contente d'avoir dit ben, je fais une mesure à 2 heures. Ouais, quoi, parce c'est que tu n'aurais eu que 4 heures. On n'aurait rien vu encore une fois. On n'aurait rien vu. Ouais. Et alors, pour préciser tout ça, vous avez eu une autre manip qui regarde des histoires de petits paquets. Alors, je ne ouais. sais pas si on peut remettre l'image. Du départ, là, voilà, sur cette petite vignette, on voyait que, en fait, CD36, bon, on avait l'impression qu'il faisait, qu'il allait prendre, on verra ça un peu mieux grâce à une autre illustration, hein, qu'il intervient dans le passage des lipides, mais qu'après, ça fait des petits paquets, enfin, ou que ça forme des paquets de lipides. Ouais, ben, en fait, tout simplement, ça parce aide, que, ça. En fait, l'intestin, donc, son rôle, c'est de faire passer les nutriments et dont les lipides dans le sang. Sauf que, comme tout le monde a déjà fait l'expérience, de mélanger du gras avec quelque chose, ce qu'on appelle aqueux, de l'eau, quoi, ouais. du vinaigre ou en l'occurrence du sang, ça se mélange pas ça du se tout. Mélange pas. Donc physiologiquement, on ne peut pas avoir des lipides qui se baladent tout seuls comme ça dans un milieu aqueux. Donc en fait, l'histoire est plus complexe. Les lipides se baladent pas comme ça tout seuls dans le sang, ils se baladent dans ce qu'on appelle des chylomicrons. Donc retenons que c'est un nom un peu compliqué, mais juste pour résumer, qu'ils sont un peu empaquetés dans des petits sacs. D'accord. Donc ça, c'était particulièrement intéressant parce que, bon, bah, ok, on sait que les lipides se baladent dans des petits sacs, c'est une info. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, c'est qu'il y a, quelques études, vraiment très peu, qui montrent qu'il peut y avoir des différences de taille dans ces petits sacs. Ouais. Que c'est pas quelque chose de très standardisé. Il peut y avoir des plus petits sacs et il peut y avoir des plus gros sacs. D'accord. Donc là, du coup, ça a éveillé Donc forcément des notre curiosité. Des sacs avec plein de lipides et des sacs avec un c'est peu ça. De lipides. Ouais. Et que du coup, au total, quand on mesure la quantité de gras total dans le sang, il peut y avoir la même quantité. Mais quand on regarde plus précisément sous quelle forme, ça peut être sous forme de plus petits sacs, donc plus nombreux, ou sous forme de plus gros sacs et du coup moins nombreux. D'accord. Et vous avez réussi à trouver un moyen pour mesurer, pour voir si avec ou sans CD36, il y avait une différence des gros sacs ou des petits sacs. Oui. Et cette différence entre gros sacs et petits sacs, elle va avoir une importance dans l'absorption du gras. Oui, bah en fait, on ne sait pas encore si ça a une importance ou pas, mais il y avait, pareil, encore une fois, on en revient toujours à la bibliographie, ouais. à ce que d'autres chercheurs ont montré. Et il y a une étude qui montre que chez les obèses, par exemple, il y a plutôt des plus petits sacs. D'accord. Donc nous, on s'est dit, bon, bah, c'est quand même intéressant. D'une part, on sait qu'il y a quelque chose qui contrôle la taille de ce sac, puisque ça ouais. peut varier, et que d'autre part, ça a l'air d'être en lien avec l'obésité. Alors, ça n'a pas l'air d'être que dû au hasard. D'accord. Et comment vous avez fait pour voir la taille des sacs? Alors, toujours avec cette même manip, hein, d'avoir des souris qui mangent du gras et puis de faire des prises de sang. Toujours avec des à choses deux finalement heures plutôt après basiques. Le repas et ouais. à 4 heures après le repas. Donc effectivement, les enfants que j'ai en expérimentarium souvent me proposent de mettre des petites caméras et d'aller mesurer comme ça la taille oui. des petits sacs. Mais malheureusement, on ne peut c'est pas faire ça. C'est ce qu'on aurait toujours envie de faire avec la biologie. On se demande mais pourquoi ils font des trucs comme dans les experts et tout. Il suffit de mettre une caméra. Ben non, il y a toujours plein de moyens très sioux, indirects. On en verra hein, tout à l'heure comment tu arrives à avoir une image. D'autres moyens que les choses qu'on a par là pour avoir des images. Alors, donc... Donc ouais, on prend en fait, toujours pareil, on fait des prises de sang, et puis encore une fois, on va isoler le plasma, donc on enlève les globules rouges pour avoir, et on va le diluer ce plasma, pour avoir vraiment juste, pas les globules rouges, mais tout le reste qui circule dans le sang, dont ces fameux petits sacs enrichis en gras, enfin,
gavé de gras, quoi. Et pour mesurer en fait la taille, on n'a pas de méthode de mesure vraiment à proprement parler. Donc on prend une méthode détournée, on va en fait estimer un peu le diamètre des petits sacs. Donc pour ça, on utilise une technique avec un rayon laser en fait. Donc on met l'échantillon dans une petite cuve transparente. On va envoyer un rayon laser qui va traverser en fait cette cuve transparente et de l'autre côté, il y a un détecteur qui mesure le rayon laser. Et puis dans l'échantillon, quand il va y avoir ces petits sacs qui vont se déplacer, ça va obstruer en fait le passage de la lumière. D'accord. Et en fait, le temps que la lumière va être obstruée, ça permet d'estimer en fait le diamètre des petits sacs. Ah d'accord. Quand il y a un gros autobus qui passe, je vois pas le rayon de soleil. C'est exactement ça. Donc c'est basé sur cette méthode-là. Ouais. Donc ça reste de l'estimation de taille. Ça permet pas de mesurer très précisément. D'accord. Mais ça permet d'avoir. Et alors ça, est-ce que ça vous a permis de pouvoir trouver quelque chose sur ces fameuses souris avec et sans CD36? Et ça, cette fois-ci, ça nous a permis de trouver quelque chose. Donc là, encore pas quelque chose de très flagrant, mais néanmoins quelque chose de très intéressant, puisque ce qu'on a réussi à montrer, c'est que, donc pareil, avec des prises de sang 2 heures après le repas et 4 heures après le repas, on voit quand on est 2 heures après le repas, les souris qui n'ont pas de CD36, elles ont des plus petits sacs que celles qui ont du CD36. Ouais. Et on voit qu'à 4 heures, la différence est moins importante. Alors moi, j'aurais envie de dire, bah, y a des petits sacs, ça va mieux passer, là, parce que j'imagine que ça passe les barrières de l'intestin. Intuitivement, je me dis, c'est mieux les petits sacs. Et en fait, non. C'est plutôt le contraire, parce qu'en fait, faire des petits sacs, ça veut dire que l'absorption dure plus longtemps, en fait. Chez les souris normales, on voit qu'elles ont vraiment un pic d'absorption, donc il y a beaucoup de gras qui rentre très vite, enfin qui passe très vite dans le sang. Oui. C'est très efficace, en fait. D'accord. Ça passe très vite dans le sang, et puis c'est très vite après nettoyé, on va dire, par les autres tissus. Alors que pour les souris qui n'ont pas de CD36, ça met beaucoup de temps, c'est empaqueté sous forme de petits sacs et c'est beaucoup moins efficace. D'accord. Donc dans un premier temps, en regardant les fesses égale caca, vous n'aviez pas vu grand-chose. Vous avez regardé à 2 heures, vous avez vu qu'au niveau du sang, il commençait à y avoir des indices 2 heures après le repas. Et donc, celle sans CD36, le gras passait moins rapidement. Et puis, que les sacs sont plus petits, enfin, qu'ils sont plus gros quand il y a du CD36, quand ça va bien. Donc, on a finalement une image plus fine de ce que fait, de ta question de départ, de ce que fait ce CD36. Et quand on a ça et qu'on est chercheur, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Thibaut Roy de nous illustrer nos découvertes sur cette vie de CD36. Ah, c'est très bien résumé. Alors, et voilà un deuxième dessin. Donc ouais, effectivement, du coup, toutes ces expériences, elles nous ont permis de dire que le CD36, quand il n'est pas là, le gras passe quand même très bien finalement. On ne retrouve pas de gras dans les fesses, on retrouve bien du gras dans le sang, donc ça passe. Mais par contre, ça passe sous une forme un petit peu différente. Donc effectivement, c'est assez bien dessiné, Thibaut. Donc on a voilà le CD36 qui est à l'interface en fait entre l'intérieur enfin du tube de l'intestin et puis la cellule et puis après le milieu sanguin. Donc il va vraiment en fait détecter un peu le gras, il voit le gras arriver si on veut et puis il va envoyer après un message à d'autres protéines, à plein de protéines en fait qui vont s'assembler et qui vont permettre d'empaqueter le gras dans ces petits sacs assez rapidement en fait. Donc CD36, finalement, on se rend compte que c'est souvent plus complexe, plus riche. C'est une sorte de rôle d'organisateur. Ouais. Si tu avais à le dessiner, peut-être je te demanderais plus tard, parce que là, on va voir une deuxième image, justement, ces méthodes indirectes. C'est pas la caméra que te réclamaient les enfants de l'expérimentarium, mais c'est une image que tu as obtenue, une photo que tu as obtenue. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as obtenue? Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Parce que là, on voit la trace du passage de CD36. Oui, exactement. De la présence. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est de l'intestin. Donc on voit en fait les villosités intestinales. Donc ça fait comme des espèces de petits poils dans l'intestin. Et ici, ce qu'on a fait, c'est un marquage du CD36 en rouge. Donc pour marquer ce CD36, donc en fait, c'est la technique de l'immunofluorescence. On va utiliser en fait des anticorps qui sont industriels, qui vont être spécifiques du CD36. Donc en fait, sur cette coupe, comme ça, sur une lame à observer au microscope, on va mettre de l'anticorps qui va se fixer partout où il y a du CD36. Mais ça ne nous permet pas de le voir pour autant. Donc par-dessus cet anticorps, on va rajouter un deuxième anticorps qui, lui, est fluorescent
et qui lui va se fixer sur l'anticorps qui lui-même s'est fixé au CD36. Ah. Donc ça fait une sorte d'échafaudage comme ça. Toutes ces astuces me font penser même, il y avait parfois des histoires de gènes de méduses. Oui, il y a vraiment plein d'astuces comme ça. On parle souvent des grandes découvertes scientifiques, mais les astuces des scientifiques pour arriver à voir l'invisible, parce qu'ils n'ont pas cette fameuse caméra, c'est quand même quelque chose. Alors, donc là, on a bien des CD36 et on les voit sur les bordures, sur la côte, là, de ces presqu'îles qui sont les villosités de l'intestin. On n'a pas dit quelle taille ça faisait, à peu près. Bah, une villosité, c'est à peu près un demi-millimètre, à peu près. D'accord. Petite question par le standard, par Coralie, du public. Alors, il y a plusieurs questions autour de ce CD36. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire CD36? On nous demande en fait, t'as pas expliqué le nom, je sais pas comment on détermine le nom des protéines. Alors, souvent on le détermine, ça dépend, si elle est découverte parce qu'on sait à quoi elle sert, on lui donne direct un nom qui a un rapport avec sa fonction. Si on la découvre un peu par hasard, on lui donne un nom un peu par hasard. Donc c'est le cas du CD36, en fait ça veut dire Cluster of Differentiation. Cluster de différenciation. CD36, donc ça ne veut pas dire grand-chose en fait, ça fait partie d'un grand groupe 36, de... Ah bah clairement c'est la liste, on en arrive au numéro 36, on choisit le numéro 36, c'est pas très noble comme, comme dénomination. Ok, d'autres questions? Non. Alors oui, il y en a plusieurs autres. Alors est-ce que tous les chercheurs utilisent cette même méthode pour estimer la taille des sacs? Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui existent? Ouais, c'est une des méthodes principales, oui. On est en jury de thèse. Pourquoi vous n'avez pas utilisé la méthode d'emballage & Co? Ouais, en fait, c'est souvent. Bah, nous, d'ailleurs, on travaille avec un laboratoire, avec une équipe AgroSubDijon qui fait plutôt de la formulation. Donc, souvent, c'est des machines qui sont utilisées aussi pour mesurer la taille des. Soit la taille des nanoparticules, soit tout ça. Mais oui, en gros, c'est la principale technique. Mais si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Et bah, peut-être une dernière question, allez, mais en effet, c'est assez technique quand même. Il y avait une question autour du réactif aux lipides. Est-ce qu'il réagissait? Donc, c'est aussi pour la colorimétrie, je crois. Est-ce que ça réagit à tout type de lipides? Enfin, là, c'était carrément sur les acides gras qui était posée la question. D'accord. Est-ce que ça voit du gras et c'est, voilà, ça réagit, ou est-ce que c'est même plus fin que ça et qu'on peut distinguer plusieurs types de gras? Alors c'est plus fin que ça, en fait ça détecte ce qu'on appelle les triglycérides, c'est-à-dire que c'est les lipides avant qu'ils soient digérés en gros. C'est les lipides à l'état brut dans lequel ils sont trouvés dans notre alimentation. Quoi, bah, tu vois, tu as des questions d'experts. Oui, c'est ça. Et donc effectivement, cette question elle est particulièrement intéressante parce que la première étape de la digestion des lipides, donc c'est transformer les triglycérides en acides gras. Ouais. Ces acides gras vont passer à travers l'intestin, être empaquetés dans des petits sacs, et au moment de cet empaquetage dans les petits sacs, ils vont être retransformés en triglycérides. Donc effectivement, quand on les retrouve dans le sang, ils sont retour à la case départ, ils se retrouvent à nouveau sous forme de triglycérides. D'accord. Et après, donc ils servent à la structuration, on revient un peu au début à la structuration et à l'énergie. Et si on en a trop, en fait, on n'a pas dit... Ça se stocke dans ce qu'on appelle le tissu adipeux. Le tissu adipeux. C'est ça. Donc c'est un organe qui est spécifique, le tissu adipeux. Il est là pour ça, pour stocker. D'accord. Tout le monde en a un petit peu. Au début, quand on était des hommes préhistoriques, qu'on n'avait pas trop à manger, ça pouvait peut-être servir à quelque chose. Oui, mais voilà, là, c'est ça. Si on en a trop, c'est... Après, si on en a trop, c'est doublement dangereux. C'est dangereux parce qu'il va y avoir trop de tissu adipeux. Et que le tissu adipeux, c'est un organe, c'est pas juste un gros sac dans lequel on met du gras. Il sécrète aussi des hormones, donc tout ça, ça peut déréguler vraiment toute la machinerie. Et puis après, le pire, c'est que si le tissu adipeux arrive pas lui-même à tout stocker, bah, le gras va se stocker ailleurs. Ah oui. Dans le foie, dans le cœur, et là, c'est d'autant plus problématique. D'accord. Justement, il y avait une question justement sur le foie. Est-ce que, du coup, en disant si le foie transforme le sucre en gras, est-ce qu'on a une différence dans les protéines? Moi, dans mon cas, je travaille vraiment que sur l'intestin et donc sur le CD36 de l'intestin. Donc, ma question de recherche, c'est vraiment de savoir comment le CD36, quel rôle il joue, en fait, là-dedans. Sur le passage du gras, en fait. D'accord. Donc, j'étudie pas le passage du sucre et le devenir du sucre. J'étudie vraiment juste le passage du gras et le devenir du gras. Il y a certainement d'autres. Pour du monde. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de chercheurs sur beaucoup de sujets, puisque, comme vous voyez, c'est quand même assez spécifique. Alors, on a une question sur le nom CD36, mais sur sa forme. Alors, tout le monde va croire, nos milliers de spectateurs vont croire que le CD36, c'est une sorte de bidule bleue, dessinée par Thibault.
Est-ce que toi, tu en rêves la nuit, on a une intuition, ou est-ce qu'il y a des moyens très standardisés, scientifiques, de dire, voilà, le CD36, on sait très exactement comment il est? Oui, il y a des moyens, donc il y a même plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de regarder en fait ce qu'on appelle la séquence d'acides aminés. Donc une protéine, c'est fait d'une séquence d'acides aminés. Et selon les types d'acides aminés, on sait qu'ils se comportent un peu différemment. Un peu comme une recette, on sait que si on a tel et tel type d'acides aminés qui se suivent, ça va plutôt faire une courbure, d'autres, ils vont plutôt se repousser. Donc avec ça, on arrive pareil, à estimer un peu la structure. Et puis après, il peut y avoir d'autres méthodes beaucoup plus précises de cristallographie pour aller vraiment Et comprendre. cette structure peut te permettre de dire, rien qu'en la voyant, toi là-bas, lipide, ou toi, viens empaqueter, donc un rôle, là je fais avec les bras, mais est-ce qu'il y aurait des choses comme ça? Et puis on va peut-être voir une image plus voilà. scientifique. C'est ça. Donc là, c'est carrément un domaine de recherche, hein, la structure de la protéine. Donc il y a des gens qui travaillent que sur Ah oui, ça bah, et qui je savais pas. presque s'occupent pas forcément de sa fonction, mais bon, forcément, il y a un lien entre sa structure et sa fonction. Donc, à l'heure actuelle, les données qu'on a, elles permettent de schématiser le CD36 comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une protéine transmembranaire. Vous voyez qu'elle a un peu comme deux petits pieds qui sont dans la cellule intestinale. Et puis, elle a ces grands bras là qui sont à l'extérieur de la cellule. Donc, elle a plein de particularités, cette protéine. Entre autres, elle a une espèce de grosse poche là qu'on voit, et c'est cette poche là qui lui permet d'aller accrocher les lipides. Donc c'est pour ça que je l'avais schématisé dans mon premier schéma comme une pince qui va pouvoir aller attraper pardon, les lipides qui se baladent dans l'intestin. Alors ce qui est assez fascinant, c'est quand on sait du coup que CD36 est aussi sur la langue, est aussi, on se dit, la structure doit être polyvalente en fait. Ouais, la structure est polyvalente. Bah justement, le fait qu'il soit sur la langue, c'est aussi ça qui nous a fait penser que, après tout, dans l'intestin, il n'était peut-être pas là que pour faire passer le gras, comme les anciennes hypothèses, parce que bah, dans la langue, le gras n'est pas absorbé dans la langue, et pourtant il y a du CD36 dans la langue, donc c'est ça aussi qui nous a un peu éveillé sur ce rôle de Ce détecteur. rôle de détecteur, Et oui, comme parce on que. voit dans les petits pieds qui sont à l'intérieur de la cellule, il y a des petits ronds là. En fait, ces petits ronds-là, c'est des zones de la séquence du CD36 qui vont lui permettre d'interagir avec d'autres protéines. Donc c'est via ces deux petits pieds qui sont à l'intérieur de la cellule qui va être capable de donner des ordres, comme a schématisé Thibault, aux autres protéines. D'accord. Alors, on a commencé à voir un dessin de Thibaut qui va nous amener à. Peut-être, Thibaut, tu veux le commenter, non? Je sais pas si ça se commente. Lequel, celui-ci? Oui, celui-ci. Bah, Parce qu'on. j'ai voilà, j'ai une autre référence encore. Mais ça nous amène La peut-être à. structure. Ça nous amène peut-être à. On aura compris peut-être que toi, les perspectives, c'est la connaissance. Tu nous avais embarqué là-dedans, de petit à petit essayer de comprendre ce que fait CD36, et que les publications que tu vas faire scientifiquement, ça sera pour montrer ce qu'on sait des mécanismes finalement de ce CD36. Mais il y a des études qui ont montré que certaines personnes ont des CD36 qui sont moins nombreux ou mal formés. Et ça peut avoir avec l'obésité. Donc finalement, Thibaut Roy Très bonne intuition servira à quelque scientifique. chose. Donc. Pardon. Voilà, le rire a dû faire sauter tous les trucs de François Salisson. Ah bah oui, bah tu as tout dit, hein, je pense. Voilà. Donc est-ce qu'il y aurait, même si vous êtes dans la connaissance, des perspectives pour parle-nous voir un petit peu de ces problèmes de personnes qui auraient des CD36 défectueux? Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu encore, parce que c'est pas une protéine qui crée une maladie génétique, donc c'est pas quelque chose qui est très étudié, parce que ça crée pas vraiment une maladie, mais par contre on sait quand même qu'il y a des gens qui ont un CD36 un petit peu différent, qui est un petit peu moins efficace, et que ces personnes-là ont plutôt soit des facteurs de risque, soit carrément un développement d'obésité. Donc c'est pas un lien de cause à effet, mais c'est d'autant plus intéressant, parce que ça voudrait dire que à long terme, le fait que le CD36 contrôle en fait le fait de faire des plus gros sacs, ça pourrait vraiment à long terme jouer sur ce qu'on appelle le devenir des lipides alimentaires. Donc vraiment, une fois qu'on a mangé ces lipides et qu'ils sont dans notre sang, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont plutôt utilisés, stockés? Est-ce qu'ils sont bien stockés? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont causer l'obésité? D'accord. Donc, on pourrait. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait des médicaments ou des traitements qui amélioreraient des CD36 défectueux ou qui remplaceraient leur Bah, fonction? qui Je sais pas. C'est peut-être remplacerait, un ça peu serait trop. compliqué, qui Ouais. pourrait peut-être activer le CD36. Après, dans tous les cas, ça resterait un médicament, donc pour soigner une maladie. Et comme je disais, pour l'instant, il n'y a pas de maladie d'un défaut de CD36. On en est vraiment encore à comprendre comment ça se passe.
D'accord. Et si un jour on trouve des résultats absolument incroyables qui permettent d'expliquer à ce point l'obésité, pourquoi pas, mais on n'en est pas okay. là du tout. D'accord. L'obésité, il y a vraiment encore tout un... Oui, on voit qu'il peut y avoir des facteurs physiologiques. Hein, et donc évidemment, il y a le poids de la société, mais ce n'est pas que sur l'obésité, sur le oui. fait qu'on nous incite à manger gras, mm-hmm. hein, qu'il y a tout oui, un oui. arsenal publicitaire pour nous faire manger gras mm-hmm. avec des publicités. Il faut d'une oui, certaine une manière résister, mais complexe. Il y a des programmes pour qu'on résiste. Oui, il y a des programmes ministériels. Oui, il y a beaucoup d'experts ouais, qui sont des chercheurs, qui s'associent à des médecins et réciproquement pour vraiment faire des programmes à l'échelle nationale, à l'échelle de l'OMS même. Enfin, il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc oui, on en discutait un petit peu hier. Il y a par exemple le plan national nutrition santé, le PNNS. Donc c'est le fameux site Manger Bouger qui est écrit sur toutes les pubs. Mais j'invite vraiment les gens à aller le voir parce qu'il y a plein de bonnes idées, il y a des idées recettes, mais aussi plein d'explications sur justement faut-il manger du gras ou pas, pourquoi, quel gras faut-il manger. Donc il y a vraiment des choses qui existent, qui sont très bien faites et vraiment pour le grand public. D'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. Vous avez promis 40 minutes et puis on a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Alors, oui, effectivement. Alors, c'est pas vraiment une question, mais j'étais en train de répondre dans le chat, mais tu vas mieux répondre que moi, certainement. C'était une question par rapport au schéma, donc je sais pas si on peut le remettre. En fait, on me demandait qu'est-ce qui se passait parce qu'en fait, c'était Eric qui disait que finalement, il se demandait qu'est-ce qui se passait après. Donc là, on voit juste une partie de l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire si on devait imaginer la suite de ce schéma, le gras, c'est expliqué qu'il y a la poche, mais ouais. par où après ça, alors, ça le sort gras, pour voilà. l'instant, on ne sait pas exactement, en tout cas, on ne sait pas avec certitude. Il y a plusieurs hypothèses. Une des principales hypothèses, c'est que là, le CD36, en fait, comme vous voyez, il permet de fixer le gras et de le rapprocher de la membrane. Et donc, une des hypothèses, c'est que le gras passe en fait, tout simplement au travers de la membrane tout seul. Mais du coup, il va se retrouver à l'intérieur de la cellule voilà. intestinale. C'est ça. Et c'est là qu'il va être va se former rassemblé, deux ouais, sacs. Dans des petits sacs. Et ensuite, la cellule, par d'autres protéines, va transporter ce petit sac jusqu'à l'autre côté de la cellule pour aller le... La cellule, c'est un peu la paroi, c'est ça ouais, je suis dans ça. La paroi du tuyau. Oui, c'est la paroi du tuyau. C'est tout à fait la paroi du tuyau. Et ouais. du coup, la question qui était posée, je crois, c'était mais alors, comment ça fait après? Est-ce que ça ressort côté intestin, côté sang? Enfin, quelle est la suite, en fait, une fois que ces sacs sont formés dans la cellule intestinale? Ça ressort de l'autre côté. Voilà, en fait, la cellule, faudrait elle, imaginer, voilà, oui, elle, bah en dessous. Voilà. Ça continue, donc le sac va se former et puis il va être expulsé directement dans la lymphe et puis après dans le sang. D'accord, ok. Donc on voit, on en est à quand même si c'est depuis les années 2000 qu'on a eu des hypothèses sur ces CD36, là on en est vraiment dans des phases fondamentales d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc Didier nous demande pourquoi CD36 n'est pas, j'ajoute le encore, n'est pas encore demandé par les médecins lorsqu'ils nous prescrivent des analyses de sang en complément de cholestérol. Alors, parce que le CD36 ne se retrouve pas dans le sang du tout. Il reste, il reste dans l'intestin. Lui, il est vraiment dans l'intestin et il va juste, un peu comme le dessin que tu avais bien cerné le problème, je pense, Thibaut. Il est vraiment, voilà, il a un peu deux bras et puis d'un côté, il va avoir le gras arriver dans l'intestin et il va dire aux autres protéines de l'intestin de faire des petits sacs. D'accord. C'est vraiment donc ça son rôle. Ouais, c'est difficile. Donc, il faudrait aller prélever des bouts d'intestin pour voir si on a ou pas du CD36. Bon. Puis, comme je disais, en fait, comme ça ne crée pas de maladie, a priori, il n'y a aucune raison d'aller fouiner pour D'accord. savoir si vraiment on en Par a. Par contre, si tu pouvais ne plus faire de référence à Timon, parce que j'ai eu un aperçu de son dernier dessin. Voilà. Oui, il n'est pas très Je bien fait. Voilà, on va dire, parle. On ne va pas savoir qui c'est. Alors, il est temps de se quitter. Voilà, on ne réagit pas vite, hein. Je pense que c'est une bonne leçon à prendre. Et justement, l'un de nos objectifs dans ces émissions, vous l'aurez compris, et dans nos programmes de culture scientifique, c'est de faire se rencontrer les gens et les chercheurs pour parler de la recherche du quotidien, la complexité de la recherche, et un petit peu briser les idées qu'on pourrait avoir sur les clichés d'une recherche qui irait très vite, victorieuse, triomphante, etc. Voilà, on n'avance pas à pas, on a des échecs, on résiste, on regarde, et puis il y a plein de thésards comme ça qui arrivent à trouver des choses et à nous renseigner, notamment sur ce fameux CD36. Ouais. Merci Sarah. Merci à vous. Merci pour la préparation, pour cette première, qui était la première à...
avoir été absorbé dans notre émission. Voilà, et puis Sarah a rencontré aussi beaucoup de lycéens, collégiens et enfants, et je peux vous dire que c'est vraiment très chouette de l'entendre et de raconter ses aventures et une vraie empathie avec ces gamins. Donc on espère qu'on pourra continuer à refaire ça, refaire des rencontres quand même. Alors, merci beaucoup à l'équipe donc Pédagogie Numérique et Ressources hein, de nous avoir permis d'être en studio, n'est-ce pas, à la mission culture scientifique, Robin à la réalisation, Thibaut au dessin et qui fait aussi notre com. Hein, donc vous pouvez suivre ses créations sur les réseaux sociaux. À Coralie, donc qui en voilà, c'est retrouvé à la préparation aussi, parce qu'il y a toute une préparation des échanges avec Sarah, parce que Sarah, tu as fait d'autres recherches, tu ne nous as pas parlé de tout. Et puis, parfois, quand on va à la thèse des doctorants, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il avait vulgarisé ?» parce qu'on les entend parler avec leurs termes très techniques. Donc, on viendra, c'est pour quand, la thèse ? Alors, je n'ai pas encore de date très précise, mais 2020. Voilà, donc là, c'est... écriture, hein, c'est ça ? Oui, écriture du... Ok. Alors, donc, on vous annonce la mission culture scientifique, c'est le pôle culture. À savoir, pour ceux qui sont près du campus, le bar de l'Athénium réouvre demain. Donc, vous pouvez... Bon, il y a des petites règles, mais vous pouvez... on peut se retrouver là-bas. Voilà, bah tiens, on a une image de Robin Drieux, qui, entre une multitude de choses. Il est notamment le project manager de la Nuit européenne des chercheurs en France, là, à l'écran, vous le voyez, et il a obtenu, avec le concours de l'Université de Bourgogne, l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et l'Université de Franche-Comté, le fait que nous aurons une Nuit des chercheurs. Rendez-vous le vendredi 27 novembre, la Nuit des chercheurs aura lieu, et on l'a eu en France, notamment grâce au travail, à la création et aux idées de tout ce groupe dont fait partie Robin. Donc on vous annonce tout ça sur nos réseaux sociaux, à savoir Thibaut, la nuit, il connaît aussi, puisqu'il fera du live sketching pour la nuit de l'astronomie, donc de l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors notez, hein, le 26 juin, notez que c'est mon anniversaire, bien évidemment, vous le savez, mais notez aussi que vous retrouverez... Si vous n'êtes pas invité à la grosse fête, que vous retrouvez Thibaut donc pour ce live sketching. Et donc, c'est bien parce que ça nous montre que l'humilité que peuvent avoir les chercheurs, et puis qu'on peut aussi parler de choses sérieuses, mais de manière décontractée. Donc, réseaux sociaux, Facebook, Mission Culture Scientifique, Expérimentam, le réseau. Pareil sur Twitter, pareil sur Instagram. Et puis, sur cette chaîne, où vous pouvez retrouver les films des jeunes chercheurs, et vous pouvez retrouver nos précédents rendez-vous chercheurs, où on vous emmenait en Antarctique, aux îles Kerguelen, on vous emmenait aussi dans le corps humain avec l'immunologie, avec Théo, on vous a emmené dans le passé avec Rudy, la criminalité médiévale, et puis on vous a emmené dans la Terre et dans les crânes, dans la théorie de l'évolution avec Morgane. Merci au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté qui nous aide, qui nous finance, à la métropole de Dijon, à la ville de Dijon et à l'Université de Bourgogne, bien sûr.